vous intéresse, mesdames? Oh, hélas, monsieur Austin, je me demande comment va finir cette histoire-là. Ah, mais Lucy n'en est pas douteuse. C'est en jamais. Bien sûr, Austin, la suite. Ne les faites pas souffrir. Ils se rencontraient tard le soir sur la route qui avait été tant de fois témoin de leurs coupables amours. Pauvres fous, ils se croyaient au-dessus du soupçon et s'imaginaient que jamais personne ne découvrirait leur secret. Hélas, comme ça se produit toujours dans ces cas-là, le mari, par hasard, les surprit sur la route. Pop, pop, deux coups de revolver, ils s'écroulèrent sur le sol. Et c'est ainsi que se termina cette charmante idylle. J'aurais aimé savoir qui a tué Elwell. J'ai entendu dire que c'était Rudolph Valentino. Oh. Oh, hello, Gregory. Ah, allons, je vois que le club d'investigation criminelle est en session plénière. On s'amuse comme on peut. Mais on y voit goutte dans ce club. Tout de même, n'est-il pas possible pour des gens intelligents de parler d'autre chose que des crimes? Oh, voyons, Grégory, ne soyez pas si grognon. Mais c'est passionnant, mon cher. Pour rien au monde, je ne voudrais manquer un beau crime, même si c'était vous qui le commettiez. Une idée charmante. Quelle bande d'assoiffés de sang vous faites. Oh, allons, allons, vous exagérez. Eh bien, admettons que ce soit nous qui exagérions. Néanmoins, cher Monsieur Sloan, permettez-moi de répondre à Monsieur Austin que la théorie qu'il soutient à propos de l'affaire Miller, quoique vraiment ingénieuse, je le reconnais, pèse par sa base, car elle suppose la préméditation. Ah ben, la préméditation, elle ne fait aucun doute. Comment ça? Le mari avait attendu patiemment que l'occasion se présentât pour exécuter froidement son plan. Mais non, mon cher, mais non. Ça y est, ils sont lancés. Considérez, en effet, que la position des corps sur le sol prouve que votre assertion est fausse. À mon avis, voyez-vous, non seulement le meurtre n'a pas été prémédité, mais le meurtrier n'a montré aucune hâte à quitter les lieux du crime. Alors? Oh, très fort! Oui, bravo, Monsieur Bryce! Je suis flatté que vous soyez de mon avis, Madame Cooper. Ah, il est formidable! Oh. Et, naturellement, la police a cafouillé, selon son habitude. Cafouillé? Monsieur parle exactement comme il écrit! Oui, exactement! Ah, quel merveilleux détective vous auriez fait, Monsieur Bryce. Vos livres sont terriblement passionnants. Quand j'en commence un, je ne peux plus le déposer tellement j'ai adapté à la dernière page. Mais dans ce cas, pourquoi ne commencez-vous pas par la dernière? Eh bien, voyez-vous, mes amis, la découverte d'un crime est une chose extrêmement simple. De l'intelligence, habilement appliquée. Imposez tout. Oh mon Dieu! L'orage! Oh, c'est une terrible action sur mes nerfs, surtout dans le cas de ces filles abandonnées. Oh, savez-vous, Tony, que ça me rappelle un peu le lieu où vous avez situé l'action de votre dernier roman? Lieu tellement sinistre qu'il était forcément obligé qu'un crime devait s'y accomplir. En ce cas, Bryce, peut-être que vous pourriez profiter de votre séjour sur mon île pour y écrire votre prochain succès. C'est fait, Monsieur Sloan. J'ai déjà commencé. C'est merveilleux! Monsieur est en train d'écrire un nouveau roman! Oh, Tony, vite! Faisons le sujet. Est-ce quelque chose dans le genre de la dame aux dents qui tremblent? Ah! Oh, vite! Bryce, vous ne me ferez pas grâce de l'histoire, c'est entendu, mais... Ne nous livrez pas le nom du meurtrier, ça gâcherait tout. Alors, mon cher, allez-y. Eh bien... Pensez cette histoire pour me durer longtemps. Eh bien, voici. Dans une île déserte, perdue, au milieu de l'océan... Bon, Monsieur Bryce, avant que vous commenciez, j'aimerais que vous nous disiez quelque chose. Quand vous décidez d'écrire un roman, quel est votre premier travail? Tout d'abord, il fait paraître sa photo dans les journaux. Mon premier travail? Eh bien, je suppose qu'il consiste à choisir des personnages, vous, saisissez. Le choix du personnage n'a pas tellement d'importance. Tout le monde peut commettre un crime. D'ailleurs, je suis persuadé qu'ici même, il y a au moins un meurtrier en puissance. Ah, mais bien sûr! Puisqu'il y a déjà Marie parmi nous, n'est-ce pas? John! Eh bien, moi, je vous avoue que je serais bien l'héroïne de tel moment. Adorable petite chose. Je disais donc... Dans une île déserte, perdue au milieu de l'océan. Oui, comme celle-ci. Mais un peu plus éloignée des côtes. Oh, c'est cela. Et encore plus sinistre. Ah, nécessairement.
l'atmosphère a une telle importance, n'est-ce pas, M. Soane? Au fait, Bryce, pourquoi n'écrirais-je pas moi-même un tel roman? L'atmosphère, mais non, j'en suis tout à fait capable. Oh, mon Dieu, Parker! Faites attention! Je vous demande pardon, madame. C'est le vent. Qu'est-ce qu'il y a, Parker? Le dîner est servi. Ah, oh, enfin! Moi, j'ai eu un bon dîner qu'un beau crime. Oh, mais... Où est donc Mary? Ah, et Donald? Où sont-ils? Ah oui, je sais! Ils sont descendus jusqu'à la plage. Oh, tiens, tiens! Oh, j'aurais peut-être fait mieux de me taire. Ah, mais pourquoi donc? Vous avez un adorable esprit à propos, ma chérie. Oh, Monsieur Austin, vous devriez prêter un peu plus attention à votre femme. Il est certain que ma femme mérite toutes les attentions. Excusez-moi, j'ai oublié mes cigarettes. Salut, je reviens tout de suite. Ah, le voilà bien le mari idéal. Ça me rappelle mon divorce. Figurez-vous que quand j'ai quitté mon premier mari... Ah, tiens, je croyais que c'était un contraire. Ah, pardon, pardon. Le divorce a été prononcé au tort et grief ici. Oh, très bien. Bah, pour l'amour du ciel, allons dîner! Monsieur Bryce, pour moi seul, quel est le sujet de votre roman? Je ne serai rien refusé, ma chère. Alors, voici. Dans une île déserte, perdue au milieu de l'océan. Parker? Oui, monsieur. Je crois bien que ce sera ma dernière réception sur cette île. Oh, comme je remercie, monsieur. Chérie, rien de presse. D'abord, moi, je n'ai pas faim. On peut se demander où nous sommes. Bien, qu'est-ce que ça demande? Qu'est-ce que cela peut bien me faire? Mary, ma chérie. Oh, je vous en supplie, Donald, pas ici. Vous êtes si belle ce soir. Oh, je vous en prie, Donald. Mais qu'avez-vous? Vous n'êtes plus la même que tout à l'heure. Quand votre femme arrive-t-elle? Elle est là. Je l'attends demain, l'après-midi. Mais pourquoi cette question? Je ne pourrais plus me voir seule. Mais pourquoi pas? Vous ne croyez tout de même pas qu'elle surveille tous mes faits et gestes. Elle aurait fort à faire. Oui, car vous devez faire la cour à toutes les femmes. Ça, ce n'est pas gentil. Vous savez très bien. Vous seul existez. Non, mais c'est vrai, Donald. Vous m'en doutez? Oh, non. Vous êtes fou. Si quelqu'un nous arrivait, nous surprenait. Il y en a qu'un, ils sont tous à table. Non. C'est William nous surprenait. Voilà, quand le récit douce, vous me rappelez votre mari. Pardonnez-moi, mais je suis obsédée par cette idée. L'autre soir à Londres, quand nous avons quitté le restaurant, je suis sûre qu'il nous est bien dans un taxi. Je vous ai dit, pourtant, sur tous les tons, que ce n'était pas William. À chaque fois que nous faisons une petite escapade, vous êtes dans des transportels. Donald, ce serait terrible. Il est si jaloux. Je vous assure, ma chérie, que les maris civilisés n'attachent que très peu d'importance à ces choses-là. Il n'y a pas de maris civilisés. Vous voyez tous être le maître absolu d'une femme lorsque vous l'avez épousée. Moi pas. Ah non? Non. Et que feriez-vous, vous, si vous trouviez Bella dans les bras de l'autre homme? Eh bien, je fermerai les yeux et j'attendrai d'être auprès de vous. Qu'avez-vous? Oh! Il y a quelqu'un derrière le rideau! Il n'y a personne! Non, je vous assure que j'ai vu quelqu'un! Ah non, c'est une idée! Non, Donald! Revenez, Donald! Donald, revenez! Oh. Je n'ai vu personne! Non, je vous assure! Je vous en prie, c'est sans doute le vent qui a fait claquer les porte-fenêtres. Ressaisissez-vous! Nous allons tout de même pas s'affoler ainsi. Laissez-moi ouvrir la lumière. Oh, bonsoir, Austin. Vous nous cherchiez? Oh, William, je craignais. Je craignais que vous n'eussiez oublié l'heure du dîner. Eh bien, on est excusable de ne pas avoir faim, et qu'on est accompagné d'une si jolie femme. Non, ne l'écoutez pas, William. Nous sommes allés admirer la lumière du phare sur les vagues. Eh bien, voici vous que j'admirais. C'est-à-dire quelle bêtise. Votre femme ne brûle-t-elle pas d'un éclat aussi vif que la lumière de ce phare, mon cher? Voilà.
donne un compliment. Vous avez dû servir à toutes les femmes qui sont ici. En tout cas, aucune d'elles jusqu'ici ne m'avait fait oublier lors du repas. Eh bien, moi, je n'oublie pas. Je meurs de faim. Oh, William, vous ne m'en voulez pas car je suis arrivée en retard. Voyons, Mary. Pourquoi serais-je fâchée? Je me demande bien, mon cher, ce que vous faites de tous les pauvres types qui tombent amoureux de Mary. Eh bien, vous-même, que feriez-vous à ma place, cher Mary? Oui, bien, ma foi. Je les abandonnerai à leur triste sort. Et? Les laisser tous mourir d'un amour non partagé. Voilà. Ce qu'il y aurait mieux à faire, en effet. Sans doute. Et si nous allions à table? Un instant, Mary. J'ai quelque chose à vous dire. Moi? Pourquoi vous me regardez ici? Mary, avez-vous eu des nouvelles de votre femme depuis que nous sommes ici? Non, pourquoi cette question? Ne devait-elle pas vous rejoindre ici, à Rockland? Certainement, je l'attends demain. Ah, parfait! Vous avez donc l'intention de prendre le yacht pour aller l'accueillir à Grey Haven? Je ne sais pas, pourquoi? Il serait très dommage que vous ne soyez pas là pour accueillir votre très charmante femme. Mais à quoi voulez-vous donc en venir, mon cher? À rien. À rien du tout. Sloan, tout de suite. Veux-tu me dire ce que tu fais là? J'étais venu chercher un livre, père. Un livre? Je ne sais pas si Gregory serait content de te trouver en train de rondailler ici, alors qu'il y a des invités. Ben, puisqu'il m'a permis de prendre des livres quand bon semblerait. C'est tout naturel quand il est seul chez lui. Mais moi, à ta place, je resterai dans ma chambre pour le moment. Pourquoi donc passez-vous la tête, petite Peggy? Mon père n'aime pas avoir volé dans les pièces de réception. Que chacun doit rester à sa place. Le maître avec ses invités et le gardien et sa fille dans leur appartement. Vous êtes un bon père, Rogers. Soyez sage, Peggy. Bonsoir. Eh bien, dites-lui ce que vous avez à lui dire. Quoi? Oh, c'est vrai. Pardon, M. Sloan. Quoi donc? Oublié. Quoi donc? Le capitaine Westover vient de jeter l'ancre. Il n'a pas quitté le port car il veut repartir tout de suite pour Grimmon. Eh bien, maintenant, Peggy, parle à ta chambre. Mais pourquoi tout de suite? Parce que, dit-il, il y a une fichue tempête qui se prépare et que Rockland n'est pas assez sûr quand la marée est montée. C'est ça. Il va filer et nous planter sur ce dernier rocher. Il dit aussi, le yacht d'abord. Le port de Graven est le seul endroit où il puisse être en sécurité cette nuit. Et si M. Sloan m'y autorise... Que puis-je répondre? Après Dieu, le capitaine est maître à son bord. Il dit encore qu'il sera de retour demain, si toutefois le temps le permet. Souhaitez-lui un bon voyage. Oui. Eh bien, allez. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. Vraiment? Cherchons ensemble. Oui, en effet. Le capitaine Westover désire savoir s'il est toujours convenu d'aller chercher Mme Donald Perry au train de 2h30 demain à Grey Haven. C'est exactement cela, monsieur. Oui, il se peut que son mari veuille prendre de yacht pour aller devant elle. C'est agréable, monsieur, de constater qu'à notre époque, qu'il existe encore quelques young gentlemen. Chaque fois que ma pauvre femme revenait de Grey Haven... Ah, Parker! S'il vous plaît, demandez à M. Perry de venir ici un moment. Bien, monsieur. Voici le courrier que m'a remis le capitaine, monsieur. J'allais l'oublier. Cela lui va être mieux à lui. Oui, monsieur. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Oh, pardon. Et aussi un télégramme pour vous, monsieur. Parole. Avez-vous un lapin dans votre chapeau et des poissons rouges dans vos bottes? Non, monsieur. Je ne crois pas. N'en suis pas si certain. Qu'y a-t-il, Greg? Bonsoir, Roger. Bonsoir, monsieur. Un télégramme de Bella.
Ça ne s'arrange pas. Elle ne pourra pas venir demain. Eh bien, il faut croire qu'elle ne s'ennuie pas à Kingsbury. Non, c'est injuste. Elle écrit que sa mère est trop souffrante pour qu'elle puisse l'inviter. Elle pense pouvoir venir jeudi. C'est tout ce qu'elle dit? Oui, pourquoi? Puis-je voir le télégramme? La parole, non. Je vous en prie. Venez. Alors, cette dame ne vient pas demain, monsieur? Non, mais jeudi, par le train d'après-midi. Dites au capitaine Westover de rester à Raven jusque-là et il ramènera Mme Perry. Oui. Oh! Oh, ça commence à barder. Oh! Oh! Il est temps d'appareiller, comme dirait le capitaine. Eh bien, qu'il appareille! Bonne chance! Merci, monsieur. Et bonsoir. Vous ne prieriez pas quelque chose par hasard? Oh, certainement non, monsieur. Merci, monsieur. Ah, Sir Roger. Quel phénomène. Rogers? C'était un vieil ami de mon père. Un presque parent. Très éloigné, très beau. Bien avant ma naissance, mon père l'avait nommé gardien de cette propriété. Eh bien, mon cher, vous auriez mieux trouver un autre gardien pour le garder. Je sais, mais c'est un si brave homme. Mais qu'est-ce que c'est? Le vent, tout simplement. Ça finit par l'impressionner. Oh. Le vent qui hurle à la mort. Mais qu'est-ce que vous chantez là? Ici, quelque chose doit se produire. C'est mon père qui avait coutume de dire ça. Il professait toutes sortes d'étranges théories sur cette île. Et cela me frappait beaucoup, je me souviens. Et j'étais toujours dans l'attente d'un événement surnaturel, étrange, qui se produirait sur Rockland. Mais voyez-vous, il ne s'est jamais rien produit. Mais toujours est-il que... jamais tout à fait maître de mes nerfs. Bon, le yacht a levé l'ancre. Il ne nous reste plus qu'à moisir ici jusqu'à son retour. Eh bien, il reste quand même tout de même le canon moteur. Ah oui, le canon moteur. Si vous voulez traverser les 20 milles qui nous séparent de la côte sur ce vilain petit rafio, je vous souhaite bien du plaisir. Eh bien, mon ami, j'ai pourtant envie d'essayer. Mais vous êtes fou, ma parole. Je voudrais aller en ville. Mais pourquoi, puisque Bella arrive jeudi? Sait-on jamais? Ce ne serait pas la première fois. Oh! Serait-on un mari soupçonneux? Eh bien, mon cher, avouons que Bella est une femme quand même assez désirable. Terriblement désirable. Mais pourquoi donc l'avez-vous épousée, mon cher? Grégory, je vous en supplie, intervenons auprès de vos invités. Bon, qu'est-ce qu'ils ont encore fait, ceux-là? Ils ne font parler que de crimes, d'assassinats, de meurtres. Pourquoi l'a-t-il tuée? Comment l'a-t-elle tuée? Ça me donne des frissons dans le dos. Le fait est que nous sommes les seuls, vous et moi, à nous désintéresser de la question. C'est à croire que nous nourrissons des pensées plus sombres. Mm. Vous êtes resté, Perry? Oh, oui, s'il vous plaît. Donald, peux-tu... voulez-vous nous laisser seul un instant? J'aimerais parler à Grégory en particulier. Volontiers. Mais juste avant, Grégory, un bon conseil. Fais attention. Tout à l'heure, avant le repas, Austin m'a regardé d'un œil inquiétant. Eh bien? Grégory, j'ai peur. Voulez-vous fermer le rideau? Certainement. Que se passe-t-il, Mary? Bien. Sommes-nous seuls sur cette île? Comment? Je veux dire, nous tous, vos invités, sommes-nous les seuls ici? Eh bien, il y a Rogers et sa fille Peggy, il y a Parker, il y a Emma la bonne. Madame Moffat, la cuisinière, à part ça, nous avons pour seule compagnie le vent et les vagues. Oh, sans oublier le faisceau du phare et la cloche de la bouée, qui semble appeler tous les fantômes qui hantent ces vieux murs. Oh, je vous en prie, Grégory, ne rigolez pas et répondez-moi. Y a-t-il déjà eu un crime ici? Pas que je sache, mais il n'est pas difficile de l'imaginer. Oh, je vous en prie. Oh, pardonnez-moi. Voilà que je me mets au niveau de mes invités. Allons-y. Dites-moi, que se passe-t-il? Eh bien... Donald et moi, nous étions ici tout à l'heure, avant d'aller à table. Charmant apéritif. Je ne plaisante pas. Mais nous ne sommes restés ici qu'un moment. Et nous n'avions pas pris la peine de donner la lumière. Je comprends. Mais maintenant, il faut que je vous dise. À un certain moment, la fenêtre s'est ouverte brusquement et quand Donald a regardé, il n'y avait personne. Ainsi, vous soupçonnez que quelqu'un vous épiait. Non, je ne soupçonne pas.
sommes pas là, mais je crains que ce soit... Un cambrioleur? Ma très chère amie, les cambrioleurs n'ont pas l'habitude de visiter Rockland un soir de tempête. Ils auraient beaucoup trop peur de se mouiller les pieds. Peut-être que suis-je alarmée à tort. Oh, très certainement. Mais comme vous êtes nerveuse, pour vous rassurer, si vous y plaît, je vais demander à Rogers de fouiller l'île avant d'aller se coucher. Il adore ça. Oh, non, 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 non. Ne dérangez pas, ça ne vaut pas la peine. J'ai les nerfs un peu tendus. L'histoire de Bryce, l'orage. Pardonnez-moi, je peux aller rejoindre les autres. Voici leur courrier. Ça ne vous ennuie pas? Non, pas du tout, mais vous ne venez pas? Je vous rejoindrai plus tard. Quel livre? Le meurtre de la vallée du diable, par Anthony Bryce. Peggy, je veux croire que vous ne faites pas partie de cette bande. Quelle bande? La bande des criminologues. Moi, je suis qu'un modeste amateur. Ainsi, vous aussi, vous vous complaisez dans la lecture de ces imbécilités. Ce ne sont pas de ces imbécilités. C'est parfois passionnant, au contraire. D'ailleurs, je parie que vous n'avez jamais lu un livre d'Anthony Bryce. Si, un seul. Eh bien, je ne recommencerai jamais. Oh, vous êtes injuste. En tout cas, ce livre m'a impressionné, m'a troublé. Oh, et ça vous arrive souvent d'être troublé? Bien sûr, quand j'ai lu des romans. Naturellement, quand vous lisez des romans. Vraiment, je me demande ce que vous, Bryce, et toute cette bande de chercheurs d'émotions fortes, vous feriez si vous vous trouviez en face d'un vrai crime. Oh, comme vous dites ça, Gregory. Ici, double croisé. Oui, je peux encore entendre votre père prononcer cette phrase quand nous étions enfants. Quand nous étions enfants. Mais avons-nous donc tellement changé? Oui, vous, au point que moi, qui croyais vous connaître, eh bien, j'en suis plus très sûre. Vraiment? Vous n'étiez pas comme maintenant, sceptique, nerveux, bizarre. Mais quoi, mais encore, ce n'est pas tout? Non, inquiétant. Oh. Comme un personnage de Bryce, quoi. Vous savez, Peggy, que vous êtes devenue une profonde et terrible psychologue. Dame, j'ai fait mes études en philosophie. Oui, au fait, vous devez être maintenant très savante. Dites-moi, est-ce que vous retournez au collège à la rentrée? J'ai fini mes études au mois de juin. Vraiment? Comme votre mémoire est courte, voici le cadeau que vous m'avez offert à cette occasion. Elle marche bien, au moins? Bien sûr. Tenez, écoutez. Ruby, dites-moi la vérité. Si je ne peux pas faire autrement. C'est vous qui avez payé mes études, n'est-ce pas? Quoi? Allons donc. J'ai demandé à mon père, il n'a pas voulu me répondre. D'ailleurs, comment aurait-il pu? Avec quel argent? Eh bien, peut-être que votre père était contrebandier. Et peut-être aussi que vous êtes menteur. Voulez-vous sourire au moins quand vous dites une chose pareille? Je ne sourirai pas tant que vous ressemblez à un personnage d'Anthony Bryce. Oh. Alors, je me transforme et je deviens un Lord Byron. Et je me mets à vous faire la cour. Peggy? Non. Si vous commencez à dire des bêtises, tenez. Je vais lire les buveuses du sort de votre ami Anthony Bryce.
transmettre que vous frissonniez tant en lisant ce livre que vos cheveux se tressent sur votre tête. Et que vous restiez comme ça. Alors j'ai bien hâte de vos rêves. Ah, un petit moment. Dites-moi, quel prix demanderiez-vous pour hanter une maison? Ça dépend, par jour ou par semaine? Oh, je vous engagerai à l'année. Bien. Si un jour j'ai besoin d'une situation, moi je serai à qui m'adresser. C'est entendu. N'oubliez pas. J'en avais garde oublié. En attendant, vous ne voulez pas rester? Je pourrais vous présenter à des amis. Vous êtes bien gentil, Gregory, mais mon père me gronderait. Peut-être mieux ainsi. Bonsoir, Gregory. Vous avez perdu quelque chose? Non, en fait, je regardais si j'avais reçu une lettre. Oh, elles sont toutes à mon adresse. J'ai donné les autres à Mary. Mais après tout, peut-être que je me suis trompé. C'est pour vous. En fait, elle est pour vous. Et pour quelle raison vous contrôliez ma correspondance? C'est bien une lettre de ma femme, n'est-ce pas? Oui, il me semble. Eh bien, j'ai pensé qu'elle comptait peut-être un mot pour moi à l'intérieur. Eh bien, je ne manquerai pas de vous en faire part si c'est le cas. J'y compte bien. Merci, Greg. À plus tard. Plus tard. D'ailleurs, ce n'est pas ce que j'appellerais une affaire de silence.
Au fond, oui, voyez-vous, ce ne fut qu'une effroyable boucherie. Oui, je comprends. Aucune délicatesse. Aucun raffinement. Pas le moindre. Mobile du crime, évident. Pas de mystère. Enfin, rien qui soit de nature à dépister les enquêteurs. Bref, une histoire banale. Oui, indigne de vous. Alors, permettez, tous les crimes m'intéressent. Le crime, voyez-vous, c'est vraiment ma spécialité. En tant qu'écrivain, bien entendu. Vraiment, vous avez choisi un bien drôle de métier pour gagner votre vie, mon cher. Ah, mais c'est une tâche noble et passionnante. Cherchez à découvrir les mobiles qui font agir les hommes. Oui. Comprendre l'humanité. Oui, c'est une question d'entraînement. Après, les livres s'écrivent tout seuls. Un crime est commis, le sang coule et... Hey, vous le répandez sur votre machine à écrire. Oh, je n'utilise jamais de machine à écrire. Je prends un stylo. C'est plus noble pour raconter l'histoire à mes lecteurs. Un petit vin de lit ? Non, merci, je ne bois jamais. Vous voulez me faire croire que vous êtes de sang-froid lorsque vous écrivez vos romans ? Mais oui. Pourquoi ? Je croyais. Comme c'est curieux. Mais ne craignez rien. Je garderai votre secret. Il n'y a pas de secret. Oh, excusez. J'ai l'impression, M. Sloan, que vous n'avez pas beaucoup de sympathie pour mon activité littéraire. Vraiment ? Vos histoires sont tellement amusantes. Que demander de plus dans cette vallée de larmes et de sang ? Monsieur Sloan, je voudrais vous poser une question. Volontiers, allez-y. Voulez-vous m'expliquer pourquoi vous avez eu l'amabilité de m'inviter sur votre île alors que vous me connaissez si peu ? Je vais vous le dire, mais c'est confidentiel. Confidentiel ? Oui, j'avais besoin de l'avis d'un expert en crime. Pour une raison personnelle. Quoi ? Il peut se faire que je m'intéresse à votre spécialité, mais de façon beaucoup plus effective. Que voulez-vous dire ? Bien, mes amis sont tellement passionnés par ces histoires criminelles. Pourquoi ne le serais-je pas aussi ? Vous comprenez ? Oui, évidemment. Mais mon cher Austin, c'est l'apologie du crime. Que vous nous faites là ? Non, son exposé seulement. Je prétends ceci, qu'un être intelligent et de haute culture peut toujours décider, et cela avec une logique rigoureuse, que la seule issue possible d'une situation donnée est le meurtre. Oh, il est très intéressant. Et j'ajouterais même que cet être intelligent et logique peut absolument être aussi honnête et bon. Oh. Pourquoi pas? Certainement. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse l'arrêter dans l'accomplissement de son dessein. La peur d'être pendu. Précisément. Et c'est pourquoi cet être logique attendra patiemment pour commettre son crime une occasion et des circonstances qui lui assureront l'impunité absolue. Le super criminel. Bon, évidemment, ça peut exister. Oh oui, mais ce ne serait pas mon idéal comme meurtrier. Oh, ni le mien. Ça prend un peu de fantaisie dans le crime. Oh, j'ai les nerfs en boule. L'orage se rapproche. S'il pouvait enfin éclater. Ça va être formidable. Je descends sur la grève. Bien. On ne peut pas dire que M. Austin soit un rigolo, hein? Et cette cloche, un son lugubre. Ah! Ah! J'ai un pressentiment! Bon, il manquait plus que ça. Un simple pressentiment. Un pressentiment, moi, ma chère amie. Oh, regardez comme c'est magnifique. Venez, Mary, à la fenêtre, admirer la tempête. Je trouve ça lugubre. Et où allez-vous se réfugier, mon mari? Donna, voulez-vous fermer? Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah! C'est très simple. On écoute, on réfléchit à des choses gaies, on digère difficilement, on s'amuse, quoi? On peut quand même pas pris sentiment pour t'occuper l'esprit. Mais pourquoi Grégory nous a-t-il plaqué? Et parce que nous l'embêtions! Voilà! Charmant! Monsieur Bryce, vous qui êtes ingénieux, pourriez-vous arrêter cette cloche? Oui, voilà. Voilà!
une partie d'échec. Vous voulez dire une leçon d'échec? J'appelle Barker. Oh, tant qu'à moi, il ne me reste plus qu'à faire des mots croisés. C'est Harriet. Stella, soyez bon. Aidez aussi Harriet. Il est déjà tard. Comme c'est spirituel. Oh, Barker, ce n'est-ce que c'est de jouer aux échecs? Je pense, madame, que c'est une excellente idée. Et pourquoi donc cela, mon cher Barker? Parce qu'en jouant aux échecs, monsieur, on ne pense pas à autre chose. Comme il a raison! Qu'est-ce que je vais faire, moi? Voyons pas au plafond. De qui cela peut-il être? Mais mon Dieu, c'est moi! Donald! Oui, Greg? J'aimerais vous parler. Tout de suite? Oui. Oh, Grigory! Vous n'êtes pas chic! John, à ton tour maintenant de faire des mots croisés. Ça ne vous dit rien, Anthony? Vous êtes fort à ce jeu. Vous, l'homme subtil et ingénieux. J'avoue que je n'y suis pas mauvais. Allons-y! Mais le commandant reviendra. Oh. Ah! Oh! Oh! J'ai encore un pressentiment! Oh! Mais vous l'y collectionnez? C'est un cas, ma femme, vous savez. Et si je mettais de la musique? Ah, bonne idée. Ça ne me dérange pas. Oh, quelque chose d'intéressant, Mary, n'est-ce pas? Un morceau classique, par exemple. En voilà une idée. Mais quelle mauvaise plaisanterie! Aucun doute sur l'identité du tueur, n'est-ce pas? Et croyez-moi,
L'assassin ne sera jamais pris. C'est sûr. Bonne nuit et faites vos rêves. Bon, ah, alors, l'avez-vous trouvé? Non. Enfin, vous avez-vous cherché? Mais tu l'as dérachi. Mais je vous ai répété que c'était inutile. J'ai vu la vague emporter le corps. Mary, je vous en prie. Stella, conduisez-la à sa chambre. Revenez, Mary. Sa chambre est bien à l'aile nord, n'est-ce pas? Oui, à l'extrémité du corridor. Oh, c'est horrible! Grégory, un assassin! Ah, mon ami est devenu fou! Oui, il n'est pas plus fou que vous et moi. Ouais, il simule la folie afin d'échapper à la justice. Mais la folie, c'est victime. Et la question à se poser, c'est pourquoi a-t-il tué Donald? Eh bien, c'est ce que nous devons découvrir, et au plus vite. Est-ce bien notre rôle? Oui, bien. Alors, je pense que vous ne voyez aucun inconvénient à ce qu'à partir de maintenant, je prenne moi-même cette affaire en main. Oh, bah. Je lui oppose! Je suis pas de cet avis! Voyons, John! Oh, taisez-vous, ma poupée, vous êtes ridicule! Enfin, Henriette a tout à fait raison. Il me semble que mes études en criminologie me donnent toute qualité pour m'occuper de cette question. Et la police? À quoi sert-elle? Elle ne publie peut-être pas de romans! Il lui arrive parfois de découvrir les criminels! Mais bon, cher monsieur Cooper, vous savez très bien qu'elle n'est pas publiciste. Attendons qu'elle vienne! Et comment pouvons-nous l'alerter? Tantôt, John, t'es ridicule! Ça suffit, vous n'êtes qu'une chatte, Henriette! Cependant, il y a bien un camion à moteur dans cette île, monsieur Rogers? Oui, mais vous ne pouvez pas songer à l'utiliser dans une pareille tempête. Ah, c'est bien ça qui est terrible. Enfin, qu'est-ce que nous allons faire? Mais il n'y a qu'à attendre le retour du yacht! Le yacht? Il ne reviendra que jeudi, avec Madame Perry. Si le temps se dégage, ils pourront tout de même mettre le canot à la mer. Évidemment. Mais une tempête de ce genre devait durer 3 jours, si ce n'est pas plus. Ah! Mon Dieu! Mais qu'est-ce que c'est? C'est un volet, madame. Oh! Oh, ça se gâte de plus en plus, hein. Le volet fixé, madame, il ne tapera plus. Merci. Bon, mes amis. Il est de notre devoir de nous livrer dès maintenant à des investigations. Le meurtre est encore chaud. Et la police, la justice ne pourra pas être sur les lieux avant 3 ou 4 jours. Et si elle ne découvre pas le mobile du crime, et si Sloane revient sur ses aveux comme il le fera sans doute demain, eh bien il sera alors impossible de l'accuser de ce meurtre. En somme, si je comprends bien, vous avez l'intention d'accuser. Eh bien quoi? C'est naturel, non? Moi, je serais bien heureux si on parvenait à trouver son innocence. J'aime beaucoup Sloane. Et, pour dire, j'ai jamais pu sentir Donald Perry. John, tu n'as pas honte de parler ainsi de Donald est mort. Oh, en admettant même que Grégory l'ait tué, ce qui n'est pas encore prouvé. De toute façon, il avait sûrement ses raisons. C'est bien ici que je t'explique l'accident, monsieur. Mon chéri. Vous venez de faire une remarque très intéressante, Parker, et peut-être pourriez-vous nous donner quelques renseignements qui nous seraient fort utiles. Eh bien, allons, dites tout ce que vous savez, mon ami. Je ne sais absolument rien, monsieur. Êtes-vous bien certain de ne pas savoir les motifs pour lesquels votre maître voulait se débarrasser de monsieur Perry? J'en suis sûr. Suis sûr que ça? Sans doute avait-il envie de tuer. Quel est l'homme qui peut se vanter de ne pas avoir eu l'envie de commettre un meurtre? Seulement tous n'ont pas l'audace de mettre leur idée à exécution. C'est vous, le plaid domestique. Vous ne nous aimez pas, de votre plein gré. Dans notre tâche, eh bien, la police saura vous faire parler. Pardon, monsieur. J'allais oublier. Et il y a un point sur lequel je voudrais attirer votre... Bien, bien, parlez, monsieur Rogers. De quoi s'agit-il? Allons bon. Et voilà que je ne me souviens plus. Les gardes, si vous essayez de nous cacher quelque chose. Oh, monsieur Bryce! Vous pouvez dire à la police que nous sommes à sa disposition pour répondre aux questions qu'il voudrait bien lui poser. C'est tout ce que nous avons à vous dire. Venez faire. Oh, regardez! Quoi? Qu'est-ce que... Le voilà qui sort! Oh, qu'est-ce que vous arrivez? Oh, quoi? Parce qu'il va sortir! Mais il va nous assassiner tous! Mais quelle bande de fous ça vous fait? Vous oubliez qu'il ne pouvait pas venir essayer de me tuer, moi! Oh, mais tu es prêt! Oh,
Parker, cette porte, elle avait une clé. Oui, monsieur. Donnez-la moi. Cela me serait difficile, monsieur. Pourquoi? Elle est dans la serrure, à l'intérieur. Mais, dites-moi, Anthony, puisque vous tenez tant à être bouclé dans sa chambre, pourquoi ne monteriez-vous pas vous-même pour la prendre, cette clé? Oui. Mais bien sûr. Allez! Mais il ne donnerait certainement pas. Vous n'auriez qu'à vous prendre de force. Prendre de force? Mais vous êtes ridicule, M. Cooper. Enfin, c'est qu'il a encore ce revolver. J'y pense, dites donc. Vous connaissez beaucoup de moi. Puis, vous avez l'air d'un homme musclé. Pourquoi n'allez-vous pas vous-même la demander? Je n'ai que faire de cette clé et pas plus de son revolver. Bon, enfin, nom de Dieu, c'est notre devoir. Comprenez notre devoir de le désarmer et de l'enfermer. Non, mais de l'enfermer jusqu'à l'arrivée de la police. Ce n'est pas mon devoir à moi, Bryce. Parker, je vous donne l'ordre de monter et de demander à M. Stone qui vous remette sa clé. Je vous demande pardon, monsieur, mais je ne peux pas. Vous confusez? Oui, monsieur Bryce, si cela ne vous fait rien. Bravo, Parker! Monsieur Rogers. Oh non, monsieur, n'insistez pas. Bon, c'est moi qui irai. Oh, mais soyez prudent! Et faites attention! Oh mon Dieu! J'allais justement monter pour vous aider. Oh, merci. Monsieur Stein, voulez-vous me confier cette clé? Merci. Mais j'y pense, pendant que vous y étiez, vous auriez dû prendre le revolver. J'ai tenu à vous laisser ce soin. Oui, alors, après tout, c'est peut-être inutile. Maintenant qu'il est bouclé, au moins vous avez mieux fermé la porte à clé. Vous-même. Oh, je vous crois. Quant à vous, Conscience, je vous demanderai de descendre jusqu'à la mer et de faire des investigations très sérieuses au pied de la falaise. Oui, oui. Le cadavre a peut-être été rejeté de ce côté-là. Oui, si vous voulez. Vous n'avez pas d'autres instructions? Non, pour y disposer. À tous les deux. Monsieur n'a plus besoin de moi? Non, je ne parle pas de la. Si vous voulez, monsieur. Oui. Ce maître d'hôtel a une attitude qui est bien équivalente. L'impression qu'il en sait beaucoup plus qu'il veut dire. Dans un de mes romans, le maître d'hôtel. Si j'avais su qu'il devait y avoir un clé dans ce château perdu, je serais resté tranquillement chez moi. Mais voyons, Harvey, il se passe toujours des drames dans les vieux châteaux. Alors c'était vraiment inutile de vous moquer de moi lorsque j'avais des pressentiments. N'ayez pas peur, ce n'est que moi. Mais je dois avouer que je n'étais pas très fière en traversant le salon dans l'obscurité. Je l'ai pas trouvé comme étonnant. Comment va, Mary? Dans un état de mer. Elle a toujours été nerveuse. Oh, mais tant que moi, je suis brisée d'émotion. Jamais j'aurais cru qu'une telle chose puisse m'arriver. À vous? Mais que vous êtes-il donc arrivé, ma chère? Comment ça, qu'est-ce qui m'est arrivé au mois de en jour? Soyez sérieux, vous n'êtes même pas décoiffé. Couchard! Eh bien, mes amis, je pense que je tiens la clé du mystère. Qu'est-ce que c'est? Une lettre, écrite à Sloan. Vous voyez, il n'a pas déchiré l'enveloppe. Mais comment vous permettez-vous de fouiller dans les affaires de Grégory? Non, enfin, mon cher, il faut pourtant que je découvre le motif du crime, mais cette lettre est peut-être un avis très sérieux. Dans le dernier roman, soirée encore. Oh, ça n'est pas de moi venir sur les élucubrations de vos romans. En tout cas, votre geste n'est pas très élégant, et vous le savez bien. John, voyons voir si cette lettre peut permettre à M. Bryce de découvrir la vérité. Oh, laissez-le dire. Et tâchons d'assembler cette lettre. Je trouve ça dégoûtant ce que vous faites là. Monsieur Cooper, vous n'avez pas l'air de vous rendre compte que Sloan est un assassin. Sans vous entendre, il semblerait que c'est un honnête homme. Entre vous et moi. Non, mais sans honnête homme, jusqu'à ce qu'on déclare officiellement coupable. Alors, pourquoi ne laissez-vous pas la justice s'occuper elle-même de cette vilaine besogne? Pour l'instant, c'est nous qui représentons la justice. Ah, oui. Bien parlé, M. Austin. Nous sommes sur cette île les seuls représentants de la société organisée. Dans ce cas, j'estime que je suis un représentant de cette société au même titre que vous et de M. Austin. Et que je désapprouve complètement vos procédés et toute cette espionnage. Oh! Oh, quel
puzzle. Monsieur Cooper, voulez-vous mon opinion? Nous nous trouvons ici sur un point complètement abandonné, désolé de la côte. Les navires n'abordent pour ainsi dire pas. Alors, supposez que New York ne revienne jamais et que nous continuions à être privés de toute communication avec le monde extérieur, comme c'est le cas maintenant. Oh, attendez que cette éventuelle Ne serait-il pas alors de notre devoir de faire passer ce monde en jugement et de l'exécuter? Attends, il faut que tu sois déclaré coupable. Oui, ça ne fait aucun doute. Et il faudrait aussi que notre petit jury décide à l'unanimité d'appliquer la peine de mort, c'est ce que vous voulez. Il s'agit pas de ça. On s'en parler, Bryce. On croirait que vous seriez content de faire office de bourreau. Enfin, comprenez donc. Nous sommes tous en danger ici, tous. Si le cas se présente, Sloan, il est tout à fait capable d'exercer sa rage contre chacun d'entre nous. Mais sur les femmes? Mais oui, pourquoi pas? Enfin, moi, ce que j'en fais, c'est de l'entrepôt matériel. Je songe à votre sécurité. Oh, ma sécurité? J'entends bien l'assumer moi-même. Et moi, alors, je ne condamne pas. Mais encore une fois, je vous répète que vous avez allumé. Je vais me coucher. Et vous partiriez comme ça, en me laissant seul et en danger. Vraiment, John, c'est inconcevable. Eh bien, venez avec moi, chère petite chose. Eh bien, bon, je voudrais voir le contenu de cette lettre. Oh, vous me dégoûtez tous. Vous transformez en héros de vulgaires assassins. Parfaitement. Mais quand c'est un de vos amis qui se met à tuer quelqu'un alors qu'il avait certainement ses raisons d'agir ainsi, vous vous transformez en justicier et vous vous précipitez pour tracer la patente. Et bien moi j'en ai assez! Assez! Bonsoir! Et bien tout au diable! Un tel individu. Erreur de jeunesse, me diriez-vous? Chaque jour, mon calvaire s'agrandit. Oh, comme je vous disais, n'importe où, avec n'importe qui et pour n'importe quelle raison, il faut toujours qu'il ait raison et se singularise. Enfin, ma chère, si vous n'êtes pas heureuse, écoutez-le. En tout cas, il n'a pas l'air de comprendre que je fais de mon devoir. Ça y est? Oh, ça y est, j'y suis arrivée. Un instant. C'est moi qui vais lire cette lettre. Mais allez, dépêchez-vous, lisez. Un instant, c'est assez difficile à déchiffrer. Mon chéri. Oh, mon chéri, vite la suite. Mon chéri, pourquoi doutez-vous de moi? Vous êtes le seul être au monde qui comptiez pour moi, mais je comprends pas ce mot-là. Ah oui, j'ai si peur et je ne vois qu'un seul moyen pour que nous cessions d'être malheureux, mais je me demande si vous m'aimez suffisamment, sinon mieux vaudrait mourir. Ah, je suis folle, je sais que vous m'aimez et que bientôt... Continuez donc, vous arrêtez au moment le plus intéressant. Et que bientôt... Je serai dans vos draps. Quoi? Ah non, bras, je serai dans vos bras. Et la suite? C'est tout. Et cette lettre, de qui est la signature? Bella. Bella Perry? Oh! Eh bien, mes amis, est-ce que vous vous seriez douté d'une pareille chose? Bon, maintenant, Monsieur Price, je crois que nous tenons le mobile, comme vous dites. C'est assez concluant, oui. Il ne l'a pas déchiré. Monsieur Gregory Sloan. Eh bien, cher Gregory, vous avez commis une fâcheuse bêtise en laissant traîner cette pièce à conviction. Bon, donnez-moi ces papiers, je vais les garder. Mais cela est très sérieux pour Bella Perry. Cette lettre la rend nettement complice du criminel. Et si voilà, Grégory est tué pour se débarrasser d'un mari gênant. Un mari gênant. Et moi, je témoignerai contre Grégory. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi Sloan a-t-il avoué? Il me semble qu'un homme intelligent aurait agi autrement. Comment? Ben, quoi de plus facile que de se promener le long de la falaise avec Donald Perry
On s'approche insensiblement du bord et tout à coup, hop, une petite poussée et c'est fini. Ça est fait. Je crois vraiment que je suis en train de rêver. Oh. Mais c'est elle! Qui ose se permettre? Eh bien, nous pourrions peut-être aller voir. Eh bien? Personne. Oh. Et alors, qui a mis en marche à Fono? Oh. Je ne sais pas. Oh, eh bien, moi, je sens que je vais m'évanouir. Enfin, c'est sûrement un des domestiques pour faire peur à ces dames. Oh. Non, c'est Grégory, j'en suis sûr! C'est impossible, Madame Cooper. Enfin, Grégory, il est là-haut dans sa chambre, enfermé. Et c'est moi qui ai la clé. Voilà, et je vous assure qu'il ne retrouvera sa liberté que quand je lui permettrai. Tout cela est bien étrange. Je propose que chacun regagne sa chambre et qu'on ferme bien nos portes. Oh, mais moi, je ne fermerai pas l'œil. Oh, dites-moi, Donny, et ces autres lettres? Elles sont toutes cachetées, n'est-ce pas? Oui. Alors, je suis d'avis de ne pas les ouvrir. Ces lettres-là, c'est l'affaire de la police. Bien, vous avez peut-être raison, monsieur Austin, je vais les mettre dans ce tiroir, voilà. Et je ferme un double tour et je garde la clé. Eh bien, mes amis, je vous dis bonsoir. Ma chambre est dans l'aile gauche si vous avez besoin de moi. C'est là! Oh, l'amour de Dieu, pourquoi criez-vous comme ça? Mais là que nous venons d'entendre, c'est lui! C'est Donald! Donald Perry! Oh, cette fois, je vous jure, je me trouve mal! Oh. N'avez-vous pas remarqué que le phonographe a repris exactement là où il s'était arrêté? C'est lui! C'est l'esprit de Donald Perry! Oh, ne dites donc pas de bêtises, Dorothy! Oh, bien, après tout, je peux aussi bien passer par la salle à manger. Oh, il va se passer quelque chose d'effroyable, j'ai encore un pressentiment! Que tout le monde aille se coucher! Oh, moi, il n'y a aucune chance que je marche dans le hall toute seule! Je vous en prie, Miss Dorothy! Monsieur Bryce, s'il vous plaît, accompagnez-moi à ma chambre. Oh, mais attendez-moi! Ah! Oh, il y a quelqu'un qui m'a marché sur le pied! J'ai honte de vous, Gregory! Pourquoi prendre cette chose de tragique?
Oh, c'est parce que je me suis joué de vous comme avec les autres, n'est-ce pas? Oh, c'est un jeu cruel, vous n'auriez pas dû. Oh, si on ne peut pas tuer Donald Perry une fois de temps en temps. Oh, où est-il? Je lui dis aussi ma façon de penser. Il doit être caché quelque part, mais pourquoi faire tant d'histoires pour une si petite mystification? Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point vous les avez effrayés? Vraiment? C'était pas vraiment mon intention. Enfin, pourquoi l'avez-vous fait? Bien, pour leur donner une bonne leçon. Et puis, s'ils ont eu peur, eh bien, c'est tant pis pour eux. Tous ces chercheurs d'émotions et qui recherchent l'odeur du sang, eh bien, je leur en ai donné du sang. Une leçon? Et vous croyez vraiment que votre leçon servira à quelque chose? Mais ces gens sont tellement intoxiqués par leurs histoires d'écrits, ils sont devenus incurables. Ah, bien, tant pis. Au moins, ça m'aura permis de faire payer à ce crétin de Brass l'énervement dans lequel il m'a mis depuis son arrivée ici. Moi qui croyais qu'inviter un romancier célèbre, ce serait agréable. Oh, celui-là. Alors pour lui, l'effondrement fut complet. Non seulement ce brillant criminologue a donné tête baissée dans le panneau, mais il s'en est fallu de peu pour qu'il ne s'évanouisse dans sa fou, c'était intense. Peut-être a-t-il cru un instant que ces histoires devenaient la réalité. Et bien payé. Mon crime d'amateur ne vaut-il pas les élucubrations du célèbre professionnel? Mais le cadavre au pied de la falaise? Monsieur Bryce et Monsieur Austin l'ont vu tous les deux. Deux ou trois poussins, quelques vieux vêtements, leur imagination à faire l'aise. C'est amusant, n'est-ce pas? Non, c'est atroce. En tout cas, ça a pris. Oh, bonne nuit. Peggy. S'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez pas honte de moi. Peggy, je voudrais tant être fière de vous. Bonne nuit. Bonne nuit, Peggy. Eh bien, mon cher, toutes mes félicitations, hein? Vous avez mis dans le mille, hein? Tous terrorisés. Ils hurlaient d'épouvante. Mon cher revenant, ne m'en parlez pas. Ils m'ont enfermé dans ma chambre de peur que je ne leur coupe la gorge. Et comment êtes-vous sorti? Oh, c'est Peggy qui m'a ouvert. Vrai? Oh, elle est délicieuse, cette jeune fille. C'est comme ça que je disais. Oh, hein? Voilà, mon Dieu. Ah, voilà où je vis des lièvres. Voyons, compliment. Bon, allons, ne parlons plus de Peggy, s'il vous plaît. Toutes mes excuses. Maintenant, dites-moi, que diriez-vous si nous appelions mes invités afin de leur dire la vérité sur cette supercherie? Pas maintenant. Ils doivent tous dormir. Laissez-moi encore rater le rêve. Regardez, j'ai trouvé pour cela un truc épatant. Vous êtes satanique, mon Dieu. Mais vraiment, Donald, je crois que la plaisanterie a duré. Et je vous avoue que je commence à la trouver un peu appuyée. Puis, ce n'est pas très élégant pour mes invités d'abuser ainsi de leur confiance. Allons, mon cher, et pour ces gens-là, pensez donc, c'est une peine inespérée. Ce n'est pas un meurtre et mystère, mais plutôt un vrai crime exécuté presque sous leurs yeux. Mais où étiez-vous pendant tout ce temps? J'étais dans une des caves, je me suis glissé ensuite au salon. De là, j'étais joué la marche funèbre. Ah, il m'a bien semblé entendre du piano. Quel aurais-je donné pour voir ce qui se passait ici pendant que j'étais dans ma chambre? Je crois qu'ils ont tenu une espèce de conseil de guerre. Ils ont probablement voulu savoir pourquoi je vous avais tué. Hey, Bryce! Bryce devait à son affaire. Quel type! Je suis convaincu qu'il serait très heureux de me voir pendu, celui-là. Oh, c'est certain, hein? Des formations professionnelles, excitation subconsciente, folie passagère, sanguinaire, que sais-je? En effet, c'est curieux. Ainsi, moi, l'assassin, je commence à m'expliquer les motivations des meurtriers. Jamais auparavant, j'avais été le fruit d'autant d'attention. Sloan le bandit. Et si on était au cinéma, j'en serais le héros. Peut-être aurais-je dû vous tuer pour de bon. Ah, eh bien, mon Dieu, sur cette île, tout peut se produire. Puisque tel est le net motif de Rocklin, alors? Oui, mais je crois que pour cette nuit, nous avons eu bien assez d'événements. Oui, vous avez sans doute raison. Mais dites-moi, Greg, quelqu'un a-t-il pu verser un plan sur ma disparition prématurée? Oui, c'est bien cela qui m'ennuie. Eh, mais qui donc? Mary Austin. Mary Austin? Seulement Mary? Et moi qui espérais qu'elles avaient tous pleuré ma disparition. Ça ne regarde pas, mon cher, mais à votre place, je me méfierais. Me méfier, mais pourquoi cela? Eh bien, j'ai l'impression que William Austin a
d'un certain point de vue, comment dire, susceptible. Susceptible? Qu'est-ce que cela peut bien faire? Pour rien, du moins je l'espère. Tiens, je crois que j'en aurais plus besoin pour cette nuit. Tiens, c'est fermé. La clé. Comme c'est curieux. Attention, Gray. Quelqu'un est là. Qu'est-ce qu'il y a? Allez fermer l'autre porte. Mais à quoi bon? Mais quelqu'un pourrait entrer à l'improviste. Vraiment, Donald, je crois que la clé des entrées est assez durée. C'est ça. Et ainsi gâcher cette splendide mystification, rien à faire, mon vieux. Allez mettre votre conscience au lit. Et je vous promets une belle surprise demain matin au petit déjeuner. Vous avez tort. Non. Il faut être jusqu'au bout. Du reste, il est probable qu'ils dorment tous à ce moment-ci. Soit. Et vous, que ferez-vous? Je vais rester ici, je vais lire un peu. Et ensuite, je me glisserai dans ma chambre. Je vais aller me reposer avant que j'ai vérité. Reposez-vous bien. Mais je persiste à croire que nous devrions leur dire la vérité maintenant. Oui, oui, c'est ça, mon vieux. Allez vous coucher. Bonne nuit. Bonsoir, Perry. Oh, mais bonsoir, Austin. Vous savez, moi, je n'ai jamais vraiment cru au revenant. Et comment avez-vous fait pour deviner? La musique. Là, vous y avez été un peu fort. Mais avant ça? Avant ça, j'ai été dupe, comme tout le monde. Bien joué, Perry. Mais à quoi voulez-vous en venir, au juste? Oh, c'était seulement un peu pour réchauffer l'atmosphère de cette réunion. Faire vivre quelques émotions fortes, quoi. Ça a été un succès. Nous avons tous marché à fond. Et puis, il y a eu les aveux de Sloan, et il a été très convaincant. Parlant de Sloan, où est-il? Il est là-haut, dans sa chambre. Ah, c'est vrai, je me souviens, il est enfermé. Nous devrions peut-être le délivrer. Non, en fait, ce n'est pas nécessaire. Il doit dormir à ce moment-ci, et puis il n'est plus enfermé. Quoi? Bryce vous a remis la clé? Non, c'est en fait Miss Roger qui avait un passe-partout. Ah, alors, excellente idée. Et qu'a-t-elle dit en vous voyant? Oh, mais elle ne m'a pas vu. Comment? Est-ce que je serai le seul à être au courant? Eh oui, jusqu'à maintenant, vous êtes le seul. Ce n'est en fait que demain matin que nous leur dévoilerons toute la vérité. Quel coup vous allez leur donner? Ils vont en faire une tête quand ils vont vous voir ressusciter. Greg croit que nous allons soulever la colère générale. Mais vous, au moins, vous semblez prendre la chose du bon côté. J'ai peut-être mes raisons pour ça. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Je veux dire que j'apprécie particulièrement l'habileté avec laquelle vous nous avez joué. C'est très curieux. Et le cadavre sur les rochers? C'est un mannequin, je suppose. Bon, évidemment, hein. Nous l'avons disparate et puis nous l'avons précipité du haut de la falaise. Donc, vous êtes très fort. Bryce et moi, ils sont convaincus que c'était vous. Du reste, Bryce le croit encore et je suis persuadé que devant la justice, il jurerait avoir vu votre cadavre sur les rochers. Puis, il y a les aveux de Sloan. Nous l'avons tous cru et parions que la justice le croirait aussi. Qu'en pensez-vous, hein? Eh bien, plus j'y pense, plus je crois que nous avons fait une grosse bêtise. Bien. Quelle coïncidence. Ne dites pas cela, au contraire, c'est très intelligent. Voici justement ce dont Sloan s'est servi pour vous tuer. N'est-ce pas? Il est chargé. C'est bien le revolver de Sloan. En effet. Supposons qu'il vous arrive un accident cette nuit. Ah, Sloan, vous n'êtes pas drôle. Restez assis, je vous en prie, j'ai quelque chose à vous dire qui va vous intéresser. Supposons qu'il vous arrive un accident cette nuit. Avant que vos amis aient été avertis de la petite plaisanterie dont vous êtes l'un des auteurs,
Voilà qui n'arrangerait pas les affaires de Sloane, n'est-ce pas? Mais ma foi, est-ce une revanche que vous voulez prendre en essayant d'effrayer mon tour? Je peux seulement vous prouver qu'une petite plaisanterie peut avoir des conséquences très fâcheuses. En fait, Sloane pourrait être pendu pour un crime qu'il n'aurait pas commis. Vous avez peut-être raison. Il ferait peut-être mieux de leur dire la vérité maintenant. Attendez. J'avais fini avec vous, Mary. Austin, pourquoi vous me regardez ici? Mais qu'avez-vous? Non, non. Écoutez-moi, je vous jure que... Que vous n'êtes pas l'amant de ma femme! Et j'en suis tout à fait convaincu. Quelle idée vous avez cherchée là? Bonsoir, M. Perry. Ne m'en veuillez pas trop de vous avoir un peu effrayé à mon tour. Bonsoir. Cette détonation? Donald. Ici? Mort. Enfin, comment? Comment on fait pour transporter le cadavre dans cette pièce? D'abord, mais qui vous a ouvert la porte de votre chambre? Il s'agit bien de cela. J'ai entendu un coup de feu, je suis accouru et... Il y avait donc quelqu'un d'autre ici, dans cette pièce? Forcément! Oui, mais qui? Scooper. Voulez-vous voir si cette porte est bien fermée? Hermétiquement! Monsieur Bryce, voulez-vous vérifier que la fenêtre est bien fermée? Oui, tout à fait. Donc, toutes les portes étaient fermées de l'intérieur. Et voilà le revolver. Je m'en charge. Austin, il faudrait prendre une décision. Mais pour l'amour de Dieu! Cessez de bavarder et cherchons le coupable. Mais le coupable, c'est vous. Non, mais peut-être. Qu'est-ce que vous racontez? Ne cherchez pas de déchange, tout ce que vous avez avoué. Monsieur Bryce, ce n'était qu'une plaisanterie. Une plaisanterie, oui, que vous trouverez beaucoup moins drôle quand la justice vous aura condamné. Vous vous mettez, Bryce? À quoi faire? À transporter ce pourtonnel dans le petit salon. Non, mais je pense qu'il vaut mieux attendre l'arrivée des autorités. Mais voyons, vous savez bien que ça peut prendre du temps avant qu'ils arrivent. Venez, croyez-moi, ne pèse pas bien, nous. Ne demandez pas ça, je vous en supplie. Oh, comme vous êtes sensible, Anthony. Jamais j'aurais cru ça de vous. C'est pitoyable. Je vais vous aider, monsieur. Voulez-vous ouvrir la porte, Anthony, si vous n'avez pas peur? Allez! Bonjour, qu'est-ce que c'est? Donald, c'est Donald! Il est mort! Parlez moins haut, il y a un mort dans cette maison. Mais c'est affreux! Et énigmatique, j'ai entendu un coup de feu.
J'allais justement m'endormir. Ah, moi aussi. Mais bon, c'est plus qu'on a porté Donald. Mais ça continue. On va encore tirer, mais sur qui a-t-on tiré? Eh bien, je crois que c'est sur Donald. Mais sur Donald? Puisque le corps a été emporté par les flots, qui a tiré? Mais quant à ça, madame, il n'y a aucun doute. Ah, mon Dieu! Grégory, il s'est échappé! Oh, comme moi, il vous l'a fait justement. Allons, assez doucement comme ça. John! Oh. Le corps de M. Donald Perry repose dans le petit salon. Merci. Bon, M. Cooper, je voudrais que vous surveillez très étroitement le soir jusqu'à l'arrivée de la police. M. Bryce, je vous en prie, foutez-moi la paix. Monsieur, enfin... Que voulez-vous, Roger? Je faisais ma ronde et... Vous arrivez à point, là. Il faut absolument que vous alliez à terre avec le canot. Vous y tenez absolument, monsieur. Il est indispensable que la police soit sur les lieux le plus rapidement possible. C'est très important. Sans doute, monsieur. Mais ce n'est pas mon affaire. Je vous accompagnerai. Sortez le canot. Allez, trouvez-moi un ciré. Je ne tiens pas à faire mouiller. Soit, monsieur, si toutefois M. Sloan n'y voit pas d'inconvénient. Oui, allez. Plus vite la police sera là, mieux se permettra pour nous tous. Bien, monsieur. Quant à vous, mesdames, je vous engage à retourner dans vos chambres. Votre présence ici est absolument inutile. Mais il m'a-t-il me tuer dans mon lit? Ah, vous croyez? Oh, c'est certain! Il a toujours son revolver, il vient de s'en servir! La paix, Henriette, la paix! Vous ne savez dire que des bêtises! Oh, merci beaucoup, John, de votre compréhension. Et vous, M. Austin, qui semblez plus raisonnable, est-ce qu'il vient encore de, vraiment de tuer quelqu'un? Et pourquoi lui laisse-t-on son revolver? Ah oui, Mme Cooper, vous n'avez plus rien à craindre, il n'a plus son arme. Nous n'avons plus rien à faire ici, que chacun regagne sa chambre. Excusez-moi, Gregory, je dois vous parler. Oh, Peggy, ne restez pas ici. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Peggy, je suis accablé. Mais si vous ne les avez pas encore prévenus, je vais le faire. Donald est mort. Mort? Mais que voulez-vous dire? Je vous en prie, la plaisanterie a trop duré. Ce n'est pas une plaisanterie. Quelqu'un l'a tué. Comment? Mais qui? Je ne sais pas. Enfin, expliquez-moi. Peggy, restez en dehors de ça. Ça ne regarde plus que la justice maintenant. Non, c'est maintenant avant que la police arrive qu'il faut arriver à trouver le coupable. Mais voyons. À quoi bon, Mademoiselle Rogers? Nous étions tous dans cette pièce quand le premier coup de feu a été tiré. Dehors! Monsieur Sloan est apparu. Et nous a déclaré qu'il venait de tuer Donald. Alors, l'affaire est très simple. Et il en a beaucoup plus qu'il en faut pour faire condamner un homme. Oh, mais j'en ai perdu la tête de tous ces crimes. Je m'en souviendrai cette semaine soi-disant idyllique à Rockland. Oh, je veux retourner chez maman. C'est bien pas moi de penser à votre mère. Mais pourquoi nous avons fait une chose pareille? Oh, mais écoutez-moi, je vous prie. Il ne faut aucun prix laisser supposer à la police que M. Sloan est coupable. Sans quoi il est perdu. Elle acceptera votre version et non la sienne. Tandis que si nous mettons en repos... Alors, mademoiselle, vous nous croyez capable d'un faux témoignage? Non, je ne vous demande pas cela, monsieur, mais vous ne devez pas risquer de faire prendre l'innocent. L'innocent? Mais oui, puisque tout ça est une mystification. Une mystification? Voilà des bonnes, ma chère. Est-ce que Donald n'est pas mort? C'est vrai, cela. N'est-il pas mort? En tout cas, son corps repose dans cette maison avec une balle en plein cœur. Mais bon, je reste pas ici une seconde de plus. Oh, vous avez entièrement raison. Allez-vous-en. Allez vous coucher. Toute seule? Jamais. Je vais pas rester ici. Adorable petite chose. Oh non, ciel, écoutez-moi. Un peu de silence. Laissez parler, Miss Rogers. Décidez. Le jury les libère. Très bien. Nous vous écoutons, Mademoiselle Rogers. Je vous dis que tout cela était une mystification. Vous avez tant parlé de crimes et de meurtres pendant ces derniers jours, et surtout au cours de la soirée, que M. Sloan et Donald Perry ont voulu vous jouer un bon tour. Ils ont donc imaginé toute une mise en scène pour vous faire croire à un véritable meurtre et pour vous faire trembler de peur. Une plaisanterie de mauvais goût, mais en tout cas simple plaisanterie. Quand M. Sloan est apparu à la fenêtre... Oh, l'explication est ingénieuse. Mais enfin, j'ai vu le cadavre de Perry là, sur les rochers, au pied de la falaise. Moi, j'en mettrais ma tête à couper. Oui, M. Austin. Je suis désolé, Sloan, mais je suis dans l'obligation de dire que M. Bryce a raison. J'ai vu, moi aussi, le cadavre sur les rochers. Mais c'était qu'un mannequin. Un mannequin? Mais dites tout de suite, Mademoiselle Rogers,
que j'ai eu la berlue. Mais comprenez donc que M. Perry était vivant à ce moment-là, caché quelque part. Ça ne sert à rien, Peggy. Et nous ne vous écouterons pas. D'ailleurs, il faut les excuser parce que les apparences sont contre moi. Les apparences. Et les preuves, oui. Parfaitement. Une fois pour toutes et pour vous tous. Je suis innocent de l'assassinat de Donald Perry. Et je suis convaincu qu'il y a ici même quelqu'un qui en soit convaincu de mon innocence. Que voulez-vous dire? Simplement ceci. Pour quiconque admettant un instant que Sloane n'est pas tout Donald Perry, l'assassin est... quelqu'un parmi nous. Voilà. Dites ça pour moi, monsieur. Oh, pourquoi pas? On peut facilement supposer que le cerveau qui a conçu des romans aussi extravagant que les vôtres, et finit par se détraquer au point de commettre un crime d'équitable. John, vous êtes ridicule. Une fois plus, vous exagérez. Monsieur, je ne permettrai pas. Non, tant pis, monsieur, tant pis. Enfin, monsieur Cooper, vous-même, vous pourriez suspecter. Ah, moi aussi. Certainement, je vais être suspecté. Et si tu reviens. Oh! Et Austin. Et Rogers, qui rentre à l'instant. Est-il, monsieur? Bon, alors, le canot qui est prêt. Non! Impossible de s'en servir. Pourquoi? On a retiré les fiches de contact. Où sont-elles? Je ne sais pas. Quelqu'un a-tu les volées? Les volées? Et vous n'en avez pas de rechange? Il y en avait dans le hangar, mais je ne les ai pas trouvées. Je crains que vous ne soyez retenu ici jusqu'au retour du yacht. Monsieur Sloane, où sont les fils de contact? Vous me soupçonnez à tort, Bryce. Ne connaissant rien un vendeur de canaux, j'aurais plutôt faire un tour dans la coque pour le rendre inutilisable. Il y a quelqu'un ici qui cherche à entraver l'action de la justice. Je ferai un plaisir de le signaler à la police. Ah, c'est cela, Bryce. Et vous en profiterez pour lui expliquer comment le corps de Donald que vous affirmez avoir vu au bas de la falaise a pu se retrouver ici même. Ah, mais certainement. C'est M. Rogers qui l'aura trouvé et transporté dans cette pièce. Moi? Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur? Je n'ai rien découvert ni transporté du tout. Ah, alors c'est M. Sloane, certainement. Mais pourquoi l'aurais-je? Austin, vous avez examiné le corps, n'est-ce pas? Rien n'allait supposer qu'il a été jeté à la mer ou soumis aux intempéries. Non. Non, rien. Vous entendez, Tammy? Voilà une constatation troublante. Qu'en pensez-vous, monsieur le criminologue? Je n'en pensais rien. Enfin, il y a plusieurs interprétations. Tenez, ce n'est pas le moment de jongler avec vos histoires et vos théories de romans feuilletons qui n'ont rien à voir ici. Nous devons examiner des faits. Comment expliquez-vous le coup de feu que nous ayons entendu? Pouvez-vous répondre à ça? C'est très simple. Mais ce Sloane, il a tiré lui-même dans le but d'égarer les soupçons. Qu'est-ce que vous racontez, Bryce? Vous avez voulu faire croire que c'était quelqu'un d'autre qui avait tué Perry. Ce que vous venez de dire est une infamie. Où étiez-vous donc que le coup de feu a été tiré? Dans ma chambre. Je venais de parler avec Donald de notre farce et puis je suis monté. Et il n'y avait personne dans la pièce, n'est-ce pas? Non. C'est vous, Austin et John, qui êtes entrés les premiers. Oh! Est-ce que par hasard, il y aurait dans cette pièce... Ah! Ou alors, des portes dérobées? Vous entendez, John? C'est ça dans les vieux châteaux comme Rockland. Rassurez-vous, Bryce. Lorsque mon arrière-grand-père a fait construire cette maison, il était encore bien loin d'écrire vos romans. Alors, mes amis, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune cachette possible. D'autre part, nous avons trouvé M. Sloane seul dans cette pièce, devant le cadavre de M. Perry. Son revolver était sur le bureau. Rappelez-vous qu'il avait monté dans sa chambre. Et les portes étaient fermées, ainsi que la fenêtre, de l'intérieur. N'est-ce pas, M. Austin? Absolument. Je suis obligé de dire que M. Bryce a tout à fait raison. Alors, M. Sloane, comment expliquez-vous qu'un assassin puisse sortir d'ici? L'homme qui était assez habile pour tuer Donald et charger un autre de ce crime a très bien pu trouver un moyen de s'échapper. Quelqu'un a tué Donald Perry dans cette pièce. Quelqu'un qui voulait à tout prix s'en débarrasser. Pourquoi? Si nous nous trouvons, nous connaîtrons le meurtrier. Ah, mais votre raisonnement est très intéressant, Mademoiselle Rogers. Je dirais même péremptoire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous dites, n'est-ce pas, que si nous trouvons le pourquoi, nous connaîtrons l'assassin? Oui. Eh bien, moi, j'ai trouvé le pourquoi. Monsieur Sloane avait d'excellentes raisons pour supprimer Donald Perry.
Oh, parfaitement! Oh, c'est raison. Quelles sont-elles? Ah, je serais curieux de les connaître. Vous avez tué Donald Curry parce que vous étiez l'amant de sa femme. Vous êtes fou, je te le dis. Vous mentez. Ah, vous me dites. Je vais lui faire rentrer ce mensonge dans la gorge. C'est la vérité. Nous savons tous ici que c'est la vérité. Et voici, voici la preuve. La preuve? Mais quelle preuve? Cette lettre. Une lettre? Oui, la lettre que Paul Bellaferri vous a écrite. Mais de quel droit vous êtes-vous perdu? C'est pour de moi. Et d'ailleurs, ici, tout le monde approuve. Oh, permettez, je vous désapprouve, et vous le savez très bien, Bryce. Mais s'il y a quelqu'un ici qui ne comprend pas la validité de cette lettre, me convaincra. Ah non, ne lisez pas, nous ne voulons pas entendre. Non, laissez-le faire. Elle ne signifie rien. Vraiment. Mon chéri, pourquoi doutez-vous? Qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes le seul être au monde qui compte pour moi. Taisez-vous, Bryce! J'ai si peur, et je ne vois qu'un seul moyen pour que nous cessions d'être malheureux. Et ce moyen, c'était de supprimer le mal. N'est-ce pas, M. Sloan? Je n'ai jamais eu connaissance de cette lettre. Vous prétendez que cette lettre ne vous était pas adressée? Mais je jure! Voici l'enveloppe de la même écriture, et portant votre nom! J'ai bien eu une lettre de Mme Perry ce soir, mais ce n'est pas celle-là. C'était peut-être une erreur. Bryce, Sloan, voulez-vous nous montrer la lettre que vous avez reçue ce soir? Peut-être que cela pourrait éclaircir le mystère. Je l'ai déchirée. Elle n'avait d'ailleurs aucune importance. Qu'avez-vous fait des morceaux? Je ne me souviens pas. J'ai dû les mettre dans la corbeille. Ah! Dans la corbeille! Là, là, vous, je les ai trouvés, je les ai ramassés. Mais je vous répète que cette lettre n'est pas pour moi. Puis-je voir? Ne vous embête pas, je la rendrai. Mais voyons, Grégory, pouvez-vous nous dire qui a reçu des lettres ce soir? Je n'ai pas fait attention. Je les ai données à Mme Austin pour qu'elle puisse les distribuer. À Mme Austin? Cooper, pourquoi avez-vous cette remarque? Simplement pour ceci. La personne à qui cette lettre a été écrite est certainement l'assassin de Donald Perry. Voilà! C'est ce que je viens de démontrer. Monsieur Austin, voulez-vous prier Mme Austin de descendre un instant? J'aimerais lui parler. Volontiers. Rien ne prouve que cette lettre a été adressée à M. Sloan. Vraiment? Et l'enveloppe qui l'accompagnait? Et puis, elle commence par « Mon chéri ». Mon chéri! Vous faites bien rire, mon chéri! Ça peut s'adresser à n'importe qui d'entre nous! Soyez sérieux, Bryce! Ça, continuez-vous! Continuez à m'accuser! Qui est la formule des fragments? C'est moi! Avec les morceaux que vous a donnés, M. Bryce, évidemment. Pardon, je l'ai aidé à les retirer de la corbeille. Il n'avait pas d'autre papier? Non, seulement ces morceaux et l'enveloppe. Asseyez-vous, Mary. Excusez-moi, Mme Austin. Madame Austin, vous pouvez nous donner un renseignement d'une importance capitale. Grégory vous a remis à 7 heures le courrier destiné aux invités. Vous en souvenez? Pouvez-vous nous dire quels sont ceux d'entre nous qui avaient des lettres? Je ne me rappelle pas. Il y avait du courrier pour presque tout le monde ce soir. Faites un effort de mémoire, je vous en prie. C'est important. Pour M. Brass? Oui. Pour votre mari? Oui. Pour Donald Perry? Je ne me rappelle pas. On cherche non, bien. Vraiment, je ne me rappelle pas. Attends. Pardonnez-moi, mais je suis brisée. Voyons, à quoi bon insister? La seule pauvre petite est au bord de trouver mal. Oh, permettez-moi de me retirer. Je vous raccompagne. Vous n'avez rien à dire, Mademoiselle Rogers? Non, je ne peux rien dire. Bien. Alors je désire que chacun de vous retourne dans sa chambre et n'en ressorte sous aucun prétexte. Moi, je te demande pas mieux, d'autant plus que la porte de la chambre est munie de bons verrous à l'intérieur. Ah, Stella, donnez-moi l'hospitalité jusqu'à demain. Oui, cher ami. Bonsoir, Grégory. Si vous avez besoin de moi, je suis à votre entière disposition. Harriet! Allez-vous finir par aller vous coucher! Il prendra une villégiature dans les vieux châteaux! Quant à vous, M. Sloan, je vous avertis qu'il est absolument inutile d'essayer de fuir. Mon devoir serait de vous en empêcher. Au besoin, par la force!
Vous ne comprenez donc pas, vous êtes odieux. Monsieur, je ne risque rien. Oh, allez. Pauvre Donald. Vous étiez là, Parker. Oui, monsieur. Mais que faisiez-vous? Je me suis une excuse. Je veillais le corps. Merci, Parker. Ah? Monsieur ne m'en veut pas? Mais pourquoi vous? Ah, oui. Naturellement. Pourquoi ne croiriez-vous pas vous ceci? Quand même, monsieur peut compter sur moi. Vraiment, Parker? C'est la moindre des choses, monsieur. D'ailleurs, à ce sujet, je tenais à dire à monsieur que je n'avais parlé à personne de notre petite conversation d'hier soir. Vous savez, l'accident qui devait se produire. Oui, j'avais oublié. Vous m'avez vu charger ce revolver, et puis je vous ai dit, Parker, si quelqu'un venait à disparaître... Monsieur... Ça n'a aucune importance, n'a fait qu'une preuve de plus contre moi. Que monsieur me permette de lui dire que ce sont de simples crétins, vos invités. Excusez-moi, ils voudraient tous vous voir condamnés. Singulière façon de reconnaître votre hospitalité. Vous êtes un brave type, Parker. On ne se refait pas, monsieur. Voici les fiches de contact, monsieur. Mais où avez-vous pris ça? Je les avais retirées moi-même du canot. Mais pourquoi donc? Je ne voulais pas, monsieur, qu'on aille chercher la police. Alors j'ai pensé que si vous aviez l'intention de fuir, vous pourriez. Alors pour arranger les choses... Non, Parker. Remettez-la à leur place dans le canot. Comme monsieur voudra. Monsieur n'a pas d'ordre à me donner? Oui, Parker. Apportez-moi du whisky. Tout de suite, monsieur. Ici, quelque chose va se produire. C'est vous, Peggy. Il fallait que je vous voie. Vous attendez quelqu'un d'autre? Oui, en fait, je pensais à ce vieux dicton qui prétend que un criminel revient toujours instinctivement sur les lieux de son crime. Mais bientôt, il est encore trop tôt. Voyons, Gregory, qui a commis une meurtre? Le savez-vous? Que ne donnerais-je pour le savoir? Mais toujours est-il que mon bon ami John accuse nettement ce crétin de Bryce. Mais comment vous pouvez le présenter? Oui, à vrai dire, je n'ai pas vraiment envie. Ok, Guy, ne restez pas ici. Je ne veux pas que vous soyez mêlé à cette lamentable histoire. Oui, Walker, déposez ça ici. Et vous pouvez vous retirer. Dois-je préparer la valise à monsieur? Ah oui, la valise. Écoutez, il sera toujours temps demain matin. Cependant... Oui, en fait, nous emporterons que le strict nécessaire, ce qui convient à un prisonnier. Entendu, monsieur. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit, Parker. Peggy, ne vous désolez pas. Vous êtes accusé d'un meurtre? Ne vous désolez pas. Tout finira bien. Vous savez, l'assassin sera pris, comme dans vos romans policiers, ceux que vous aimez tant. Maintenant, soyez gentil et allez vous poser. Oh non, je pourrais. Si vous savez combien je... Je sais. Que se passe-t-il? Regardez la falaise! C'est un signal de détresse! Ce sacré Bryce essaie d'entrer en communication avec un bateau qui passe au large! Il est moins bête que je le croyais, celui-là. Ce Bryce, avec quel plaisir je lui casse la figure! N'oubliez pas que moi le premier, j'ai hâte de voir la police arriver ici. Vous êtes fou, mon ami. Vous savez très bien que c'est vraiment un cas de Donald. Mais j'en suis persuadé, mais... Allez donc le faire admettre à la justice. Non, Grégory, croyez-moi, vous devez fuir. Je tiens absolument à rester ici. Et tout. Vous avez peut-être raison. Mais je le répète, il faut arriver à démasquer l'assassin avant que la police arrive. Sinon, elle commencera par arrêter Grégory. Oui, évidemment. Bien sûr. Mais dites-moi, Grégory, quand Austin et Bryce sont entrés ici, alors que vous étiez près du cadavre, qui a eu l'idée de vérifier si les portes étaient fermées à l'intérieur? Austin, je pense. C'est bien ce que je pensais. Austin devait déjà savoir que les portes étaient fermées intérieurement. Autrement, l'idée ne lui serait pas venue. Donc... Assurément, mais vos suppositions n'expliquent rien du tout. Les faits sont là. Porte fermée à l'intérieur, revolver sur la table et qui correspond aux deux coups de feu tirés par ce pauvre Donald et un ici, par le diable. Oui, mais Austin a très bien pu fermer à votre insu la seule porte qui n'était pas fermée, celle par laquelle il était sorti.
Et quand on le revoit sur la table, il a pu facilement le déposer pendant l'affolement général qui a suivi la découverte du cadavre dans la pièce. Mais... Et ça, sans que personne s'en aperçoive. Mais maintenant, il y a autre chose. Il y a la lettre d'amour que Bella vous aurait écrite. Quant à ça, je vous ne pas comprendre. Mais je suis tranquille. Lorsque Bella sera ici, elle pourra tout nous expliquer. Mais êtes-vous bien sûr qu'elle voudra le faire? Mais d'ailleurs, je ne vois pas... Vous entendez? On dirait qu'il y a quelqu'un qui sanglote. C'est Madame Austin. Elle pleure à crier devant le cadavre de Donald. Vraiment? Encore un instant, Madame Austin. Je l'ai dit, Larry. À quoi bon, nous n'avons rien à nous dire! Ah, peut-être que vous ne savez pas de cet avis dans un instant. C'est comme je vous en prie. Bien gré, hors de cause, Madame Austin. C'est une affaire entre vous et moi. Mais laissez-la. Vous voyez bien qu'elle n'est pas dans un état de vous écouter. Je désire être seule avec Madame Austin. Mais, vous savez... Faites-moi confiance. Il y a des choses que j'ai besoin de dire à Madame Austin que, et que vous ne devez pas entendre. Oh, venez, Grégory. Laissons-le. Soit. Veuillez-vous m'excuser si je vous pose une question pareille, mais voulez-vous m'expliquer pourquoi je viens de vous trouver pleurant à genoux devant le cadavre de Donald? Vous l'aimiez, n'est-ce pas? Pourquoi Grégory l'a-t-il tué? Oh, mais vous savez que ce n'était pas lui. Si vous l'aviez cru vraiment, vous n'auriez pas recherché sa protection contre moi, comme vous venez de le faire. Et puis, pourquoi avez-vous menti à propos de la lettre? Vous savez à qui Bella l'a écrite, n'est-ce pas? Pourquoi ne dites-vous pas la vérité? Je ne sais rien au sujet de cette lettre. Il y avait une autre lettre de Bella dans le courrier que vous a donné M. Sloan pour distribuer à ses invités. À qui était-elle adressée? Je ne sais pas! Oh, mais vous connaissez l'écriture de Bella! Vous la connaissez certainement! À qui avez-vous remis cette lettre? Oh, qu'avez-vous fait? Vous me torturez! Oh, malheureuse! Comprenez donc que votre silence vous rend complice de l'assassin de Donald? Oh, de grâce! Et que si vous n'avouez pas, Gregory sera injustement accusé! Qui a tué Donald Perry? Vite! Qui a tué Donald? Quelqu'un rôle derrière les portes? Dis-moi qui a tué Donald. Votre amant! Alors, c'est vous qui l'avez assassiné. Pourquoi avez-vous fermé ces portes? Qu'est-ce que ça signifie? Nous ne voulions pas être dérangés. Je ne vous permets pas de faire subir à ma femme un interrogatoire absolument déplacé. Elle est comme nous tous ici. Elle ignore tout de notre affaire. Peut-être. Cependant, j'ai pensé que Mme Austin pourrait fournir des éclaircissements à propos de la lettre. Ouais. Très bien, Miss Rogers, que vous avez de la difficulté à admettre que Bella Perry l'a écrite à Sloan. Et là, il faut se rendre à l'évidence. Il n'y a que des apparences, M. Austin. C'est pourquoi je veux aider M. Sloan. Je comprends très bien les raisons qui vous motivent et croyez en toute ma sympathie. J'aimerais aussi secourir Gregory, mais hélas, nous ne pouvons plus rien faire pour lui. Non, vraiment! Permettez-moi de penser, M. Austin, que votre bonne volonté est bien prompte à se décourager. Comptez sur moi! Je vous le prouverai! Mary, Mary, que vous a dit Miss Rogers? Elle m'a demandé des questions. Elle me posait des questions à propos de cette lettre. Ne vous avais-je pas dit de rester dans votre chambre? Il ne faut pas que vous soyez mêlé à cette affaire, entendez-vous? Dites-vous que quoi que vous fassiez, vous n'arrangez rien. Il est déjà assez pénible d'avoir à témoigner contre un ami. William, il faut que je vous dise. Je vous en prie, il faut vraiment que je vous dise. Vous n'avez rien à me dire. Taisez-vous. Votre femme me paraît bien déprimée, Austin. Avouez qu'on serait à moi, mon cher. Oui, je l'avoue. Dites-moi, Austin, est-ce que je peux vous poser une question? Une drôle de question. Quelle sera votre attitude lorsque la police m'aura arrêté? Une question, en effet. Savez-vous bien, Sloan, que vous me mettez dans un terrible embarras? Allons donc, répondez franchement. Que diriez-vous à la police lorsqu'elle vous interrogera? Hélas, à mon grand désespoir, je serai obligé de dire ce que j'ai vu et entendu ici cette nuit. Vous aurez raison. C'est mon devoir, vous comprenez? Oui, et il faut toujours faire son devoir. Maintenant, Sloan, écoutez-moi. C'est un ami sincère qui parle. Un ami?
Marston, vous me touchez profondément. Moi, si j'étais à votre place, je prendrais la fuite. Voyez-vous, votre cas est tellement mauvais que si vous restez, vous ne gagnez rien. Tandis qu'en partant, vous mettez au moins une chance de votre côté. Pardonnez-moi de vous interrompre. Un peu de whisky? Non, merci. Ah, puis, oui, un doigt. Alors, si vous le permettez, buvons à ma santé. Dans ce bon ou dans un autre. Je reconnais que pour quelqu'un qui a tué un homme dans cette pièce même, il y a moins de 2 heures, vous faites preuve d'un grand sang-froid. Dans cette pièce? Je croyais que c'était dehors. Asseyez-vous donc, Austin. Si vous êtes d'humeur à m'écouter avec calme, bien entendu. Oui, c'est ça. Vous serez plus à l'aise. Vous ne savez pas vous rendre compte de la gravité de votre situation. Vous vous souvient-il, Austin, de l'intéressante conversation que nous avons eue en début de soirée au sujet de la peine de mort? Si mes souvenirs sont exacts, vous prétendiez qu'un homme intelligent pouvait apporter à la préparation d'un crime une telle habileté qu'il ne laisserait aucune trace permettant de le condamner. Eh bien, ne croyez-vous pas que ma stupide plaisanterie ait pu fournir à votre homme intelligent, votre super criminel, l'occasion idéale d'illustrer votre théorie? C'est à croire que je l'ai fait exprès. Une aubaine pour un amateur. Un crime tout cuit, un crime en or, quoi. Très drôle. Votre argument est superbe. Savez-vous bien, Gregory, que quand vous passerez en justice, vous n'avez pas besoin d'avocat? Peut-être en effet que je me défendrai moi-même. Mais étrangement, ce n'est pas à mon sort que je pense présentement. Ah, vous avez tort, cher ami. En effet, mais je ne peux m'enlever de l'idée de l'horrible image qui doit se former dans le cerveau de notre meurtrier. Comme ça doit se payer cher, un crime, Austin. Non, Gregory. Le super criminel hypothétique dont nous parlions est nécessairement un homme avec des nerfs d'acier. Un homme capable de contrôler toute réaction dangereuse, toute angoisse même. Impossible, Austin. Imaginez, il entre dans un salon, tous les gens l'accusent. Il marche dans la rue et dépassera derrière lui. Il pénètre dans sa chambre et sa femme lui lance un air singulier. Non, Austin, être toujours sur ses gardes. Et il a peur de dire le petit mot, ce petit mot qui le trahira. Est-il bien certain de ne pas avoir prononcé ce mot fatal? Encore un peu de whisky? Ah! Le jour se lève. Une autre journée où notre meurtrier devra faire des efforts surhumains pour éviter de se trahir. Songez-y, Austin. Pensez à la moindre fausse manœuvre qui le mènera directement à l'impotence. Oui, 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 je vois très bien cela. Mais comment peut-il faire pour dormir la nuit? Vous savez que bien des gens parlent dans leur sommeil. Quel affreux destin, finir ses jours en prison. Allons, buvons à votre santé maintenant et à l'âme de ce vieux rocher où tout peut se produire. Mais on est probable. Mais quel goût bizarre. Austin! Austin, vous m'avez empoisonné! J'étais rentré chercher un livre et
Je me suis trouvé brusquement devant cet horrible spectacle. Oh, Grégory! Grégory! Oh, c'est affreux, Grégory! Oh. C'est épouvantable! Oh, mon Dieu, qu'est-ce que je fais, Grégory? Pardonnez-moi! Calmez-vous, mais... Non, ne m'approchez pas! Mais oui, dans quel état êtes-vous? Laisse-moi! Laisse-moi! Oh... Oh, Grégory... William... Pourquoi Grégory s'est-il suicidé? La raison n'en est que trop évidente. Le malheureux s'est affolé. Oh, c'est cela, c'est cela. Il s'est affolé parce que j'ai menti. Oh, voyons, Mary. Oh non, j'ai... Qu'est-ce que vous dites? J'ai menti. J'aurais pu le sauver peut-être, mais j'ai menti. Cette lettre... Quelle lettre? Oh, mais ne vous occupez-vous plus de cette lettre. Elle n'a plus aucune importance. Non, vous devez m'écouter. Je vous dis que j'ai menti. Cette lettre n'était pas adressée à Grégory. Non. Et vous ne savez plus. Vous n'en pouvez plus. Mais oui, allez vous reposer, vous dites. C'est à Donald que Bella écrivait. À Donald, son mari. Non. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous nous êtes des folies. Non. Vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. Je dois dire la vérité à présent. Je ne peux plus me taire. J'ai découvert cette lettre à travers celle que Grégory m'avait confiée. J'ai reconnu l'écriture de Bella et j'avais le pressentiment que elle comptait quelque chose de fatal pour moi. Alors j'allais ouvrir que je l'ai lu. Taisez-vous! Dans cette lettre, Bella pardonnait tout à son mari. Elle soupire ardemment de revenir auprès d'elle. Mais je vous ordonne de vous taire! Ça a été plus fort que moi, alors je l'ai déchiré, je l'ai jeté un petit morceau dans cette campagne. Taisez-vous, Mary. Vous n'en pouvez plus. Non, je ne veux plus me taire! Ça se grave étouffe! Il faut que je le dise, que je le crie! Mais non! Prenez garde, Mary! Rendez-vous compte que votre aveu ne fera qu'aggraver votre cas! Il ne faut pas que vous soyez impliqué dans cette affaire! Mais la vérité leur dira la vérité! Peu importe, personne ne la croira! Oh, de quel misérable! Sloane est mort, et sa mort prouve que c'est lui qui a tué Donald Perry! Non, vous mentez! Grégory n'a pas commis ce meurtre! Il n'avait rien contre Donald, il n'avait aucune raison de le tuer! Tandis que vous n'ignorez pas les raisons pourquoi j'ai ouvert cette lettre! Mais peu importe! Mais pourquoi ne voulez-vous pas les connaître? Sloane et Donald sont morts tous les deux! L'action de la justice est éteinte! Vous étiez derrière les rideaux ce soir, n'est-ce pas? Vous avez tout entendu! Je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Vous divaguez! Vous ne voulez pas me poser de questions? Eh bien, vous saurez quand même! Oui, Donald était mon amant. J'en étais folle. J'étais toute à lui. Et je l'aimerai toujours, vous m'entendez? Et qu'allez-vous faire contre cela? Vous ne pouvez pas tuer ça en moi! Je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime! Et vous, je vous hais. Je sais. Je sais, Mary. Et c'est parfait ainsi. Vous l'aimerez toujours, lui, mort. Et moi, vous m'aimerez toujours, vous me haïrez toujours, présent à vos côtés, toujours. C'est ma vengeance, Mary. Comprenez-vous? C'est vous? C'est vous qui l'avez tué? M'avez-vous assez bafoué pendant des mois et des mois? M'avez-vous assez torturé jour après jour, lentement? C'est vous! Vous ne voyez donc pas dans mes yeux la folle envie que j'avais de vous étrangler tous les deux? Assassin! Assassin! Quel vilain mot, Mary! À la vérité, ce fut si simple et si naturel. Cet imbécile a tout fait, et fort bien fait pour se suicider. J'ai eu besoin de cyanure pour celui-là. Que dites-vous? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que Grégory s'était empoisonné avec du cyanure. Grégory, c'est vous? Vous êtes folle, Mary! Vous avez empoisonné Grégory! Vous êtes folle! C'est... Complètement folle! C'est vous qui l'avez empoisonné! Taisez-vous! Non! Taisez-vous! Vous êtes un assassin! Taisez-vous, je vous ferai taire! Non, assassin! Viens à la fin! Non! Austin! Non. Laissez cette femme tranquille! Inutile, Austin! Votre main va trop trembler, vous allez manquer encore! Abaissez cette arme! Ou je sonne et. Vous n'aurez pas le temps de fuir. Oui, c'est ça. Je vous laisse votre dernière chance, mais faites vite. Grégory! Je suis pas
incubateur. Éteignez. Mary, viens-tu m'aider? Oui, où est Austin? Encore un instant. C'est tout le monde de se taire et empêchez quiconque de sortir. Mais. Mais Austin? Il longe la côte. Que cherche-t-il? Monsieur Cooper m'a fait fermer les portes du château. C'est assez bizarre, car Monsieur Austin, que je viens d'apercevoir, ne pourra pas rentrer. Peggy, que fais-tu encore là? Voilà, c'est fait, tout est fermé. Mary est folle de peur. Elle dit qu'Austin a voulu l'étrangler. Mais qu'est-ce que vous regardez? Mais c'est Austin! Parbleu, monsieur, vous m'avez dit de fermer toutes les portes. Mary nous a réveillés avec ses cris! Chut! Mais c'est affreux! Elle crie au secours! Au secours! Henriette est restée auprès d'elle, mais que passe-t-il? J'ai voulu réfugier chez M. Price, mais c'est venu dans sa chambre! Mais qu'est-ce que passe-t-il encore? C'est fou! Il monte dans le canot! Je crois que nous pouvons éclairer maintenant. Ah, bon, j'aurais mieux fait de ne pas remettre le contact. Mais, mon Dieu, il fiche le camp! Ils n'iront pas très loin. Marie-Nathalie, elle dit que son mari nous a empoisonnés, mais c'est formidable! Mais où est-il donc? Voyez-vous-même! Oh, mais ça, par exemple, où va-t-il? Monsieur m'excusera. Je suis allé chercher le fusil de chasse de monsieur. Il est chargé d'une bonne chevrotine. J'ai pensé que peut-être il serait agréable à monsieur de s'en servir ce matin. Mais quelle idée, Barker! Oh, monsieur Hathor! La portée du fusil est excellente! Donnez-moi, j'ai compris! Vous n'avez rien du tout! Quoi? Il n'y en a pas loin! Vous êtes déjà roulé sur quelqu'un? Il va tirer sur Austin! Mais pourquoi qu'a-t-il fait? Ah, tirez donc, monsieur Cooper, tirez! Mais oui, allez-y, monsieur! Mais vous êtes fous! Ah! Mais est-ce qu'on va m'expliquer la lapin? Si monsieur Sloan le permet, j'expliquerai moi-même. Comment savez-vous, Barker? Que monsieur me pardonne, mais j'ai tout vu et tout entendu par cette porte entrebâillée. Ah, par exemple, monsieur Parker. Excusez-moi, monsieur Rogers, mais c'est ainsi que j'ai appris que monsieur Austin avait assassiné ce pauvre monsieur Donald Perry. Et que je l'ai vu ensuite tenter d'empoisonner mon maître. Et que finalement, je l'ai vu essayer d'étrangler l'honorable mademoiselle Austin. Et dois-je continuer, monsieur? En ce qui concerne l'empoisonnement, monsieur me permettra de dire que j'ai bien ri. Monsieur Austin a versé le poison dans ce verre. Mais monsieur Sloan a vu son geste par le reflet de cette fenêtre. Alors, monsieur a vidé le poison dans le cendrier. Santé. Oh. Tandis qu'en même temps, il se versait un bon whisky dans cet autre verre. Puis, il a bu et M. Austin n'a rien bu. Ensuite, M. Sloan a fait semblant de tomber foudroyé. Ah! Quel bel acteur aurait fait, monsieur! Et si j'avais bu le poison? Alors, je serais entré avant, monsieur. En ce qui concerne la tentative d'étranglement, cela m'a semblé tellement incorrect que je suis allé chercher le fusil de chasse de monsieur. Mais ben, c'est ce fusil! Au bon Dieu, qui met le même fusil? Mais il n'y a pas de quoi rire, enfin, c'est pas le moment. Vous avez raison, Price. Ne craignez pas, Monsieur Sloan. Vous ignorez sans doute que Monsieur Austin vient de s'embarquer pour aller chercher la police. On va vous dire complètement fou. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Pardonnez-nous, Price. C'était merveilleux. J'aime mieux ça. Barker, prenez celui. Barker! On est d'accord, je sais. Non, monsieur! Quoi? Mais qu'est-ce qu'il va vous permettre? C'est con! Il allait voir ma mère de ciel! En effet, Bryce, ce verre contenait du poison. Vous l'avez échappé belle! Mais quelle fin magnifique ça aurait été pour un détective romancier tel que vous! Je commence à comprendre. Pas possible! Je suis en présence d'un cas de folie collective et atmosphérique. Non, un beau document pour le roman que vous
l'écrire sur Rockland. Certainement, mademoiselle Rogers, sauf que c'est un document très difficile et périlleux à constituer. Oh, mais souvenez-vous, Bryce, que je tenais à être l'auteur des mystérieuses histoires de Rockland. Ouais, comme vous voulez. Mais, si vous voulez, nous pouvons l'écrire en collaboration. Je pourrais vous fournir des informations essentielles pour les événements de ce soir. J'y réfléchirai. Oui, réfléchissez bien. Mais, je vous préviens, je me réserve le dernier chapitre. Il devra s'intituler « Ici, quelque chose va se produire, même un événement heureux ».